Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez, je le sais, depuis hyper longtemps. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire mon room tour. Alors, je mets des guillemets parce que vous allez peut-être voir dans des prochaines vidéos, ou sûrement vous l'avez déjà vu sur ma chaîne de vlog, mais ma chambre elle est séparée en deux par un mur qui n'atteint pas le plafond. Donc c'est juste une petite séparation entre l'espace où je fais mes vidéos et l'espace où je dors pour avoir un peu plus d'intimité, pour être un peu plus tranquille. Et donc aujourd'hui j'ai essayé de vous faire mon bureau, ou je sais pas comment l'appeler, mais en gros le tour de l'endroit où je fais mes vidéos, parce que c'est ce qui m'a été le plus demandé. C'est là où il y a mon rangement maquillage, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. D'ailleurs, je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo si jamais vous avez envie de voir mon rangement maquillage très prochainement dans une autre vidéo, parce que je vais pas vous le présenter aujourd'hui. J'ai vraiment envie de vous faire une vidéo à part de celle-ci pour vous montrer tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vous montrer. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. On va commencer tout de suite avec mon room tour. Bon, du coup, on va commencer par cette partie-là, qui est la partie sur laquelle je filme mes vidéos. Donc en gros, là il y a mon appareil photo ici, mais d'habitude il est posé sur mon rangement maquillage. Donc voilà, ça c'est mon rangement maquillage, l'appareil photo est posé comme ça, et donc du coup c'est l'arrière que vous voyez, que vous allez voir juste après. Mais ça ressemble à ça, donc je vais pas plus rentrer dans les détails, parce que comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de choses. Mon miroir, ici il y a ma tour avec quelques rouges à lèvres, etc. Ici sur les côtés en fait j'ai deux grandes étagères avec des tiroirs pour ranger mon make-up. Donc du coup voilà, je vais pas plus insister sur cette partie, comme je vous l'ai dit il y a 30 secondes. Si jamais vous avez envie de voir mon rangement make-up plus en détail, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de me le dire dans les commentaires, et on va continuer avec le reste de cette pièce. Donc ici, juste à côté de mon rangement maquillage, on a ma mallette de chez MAC, donc Mazuka. Avec pas mal de produits MAC à l'intérieur que j'ai pas encore sorti, que je vous montrerai peut-être très prochainement. Et une petite trousse de maquillage, voilà, que j'utilise quand je pars assez loin. Et en fait ici sur le côté c'est le prolongement en fait qui va dans ma chambre, donc avec ma table de nuit, des petits coussins, voilà, quelques petits trucs. Mais ça du coup je vous montre pas, vous le verrez sûrement dans mes vlogs, enfin je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vlogs, mais c'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Et ici un autre truc que j'aime bien garder, ce sont en fait tous les badges que j'ai eu quand je suis allée à des événements. Donc voilà, on est d'accord, il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a un peu de tout, hein. Paris Games Week, enfin il y a de la BlizzCon, YouTube Romcast, Video City, les Bitcoin ici, enfin bon voilà, en fait il y en a plein. Mais moi je les aime trop, donc du coup je les garde absolument tous, voilà. Parce que je trouve ça super cool, ça me fait une belle petite collection. Et ouais, je les aime trop, voilà. Donc du coup je les accroche ici sur le bord de mon petit mur. Comme ça, bah voilà, je les ai toujours à portée de vue, et que si jamais un jour j'ai un petit coup de mou, je me rappelle tous les endroits où j'étais. Et je trouve ça super cool. Ensuite, quand on arrive sur le côté de ma pièce, vous avez peut-être déjà vu ça dans mes vlogs, mais j'ai mon grand rangement avec quelques-uns. Je dis quelques-uns de mes vernis parce qu'ils y sont pas tous. Mais je trouve ça plus facile en fait. Moi je les ai rangés par marque, pas par couleur, parce que je trouve que ça fait mieux dans une bibliothèque et je m'en sors mieux comme ça. Et ici en fait j'ai un espèce de petit portfolio, enfin c'est un porte-magazine sur... en fait c'est que des magazines dont j'ai fait la couverture, et même s'il y en a qui sont pas très jolis, ça me tient à cœur de les avoir ici, comme ça je les ai toujours à portée de main et je les perds pas, parce qu'il y a plein de magazines dans lesquels je suis que j'ai rangé ailleurs, et je préfère avoir cela ici parce que voilà, ça me... je préfère, voilà, je trouve ça plus chouette et ça me rappelle toujours de bons souvenirs quand je les vois, donc je les garde ici. Ok, donc quand on arrive sur cette partie là de ma chambre, c'est l'arrière droit on va dire des vidéos quand vous les regardez d'habitude. Donc ici en fait j'ai un espèce de grand meuble qui vient de chez Maison du Monde, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse et vous avez envie de voir à quoi il ressemble, ou tout simplement si vous êtes curieuse. Donc c'est un meuble tout en bois massif en fait, avec trois énormes tiroirs. Normalement il vient avec des espèces de pieds, mais moi je trouvais qu'il faisait mieux en fait sans les pieds, parce qu'il est plus bas et il allait avec la hauteur de mes étagères, vous allez voir ça juste après. Donc ici pour l'instant c'est un rangement un petit peu provisoire, dans la mesure où j'ai un grand rangement à rouge à lèvres ici avec tous mes rouges à lèvres MAC. Tout simplement parce que j'aime pas trop mélanger tous les rouges à lèvres et je trouve ça plus simple de les avoir tous ici. Ça c'est un espèce de petit DIY avec des fausses fleurs que j'avais fait dans une de mes vidéos il y a un petit moment maintenant. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Et ici sur le côté en fait j'ai tous mes kits de rouge à lèvres, donc que j'ai pas envie de jeter parce que je les trouve très beaux comme ça. Donc là on a tous les nouveaux Sephora qui viennent de sortir, que j'adore en fait, et je préfère les garder comme ça, je trouve ça plus joli. Donc j'ai ceux-là, j'ai bien évidemment les MAC, je pense que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, qui ressemblent à ça. Et il y a également les Make Up For Ever un petit peu plus bas. Donc voilà, en fait comme j'ai pas envie de les abîmer ces boîtes, je préfère les garder sur le côté
de mon étagère. Donc voilà à quoi ressemble l'étagère en entière. Donc ici généralement je garde en fait tout ce qui est produit que j'ai en plus, ou alors des éditions collector entre guillemets. Ici j'ai une énorme boîte de chez Je m'aime Maybelline que j'aime beaucoup, mais en fait le problème c'est que j'ose pas vraiment m'en servir parce que à l'intérieur il y a tous les rouges à lèvres et les produits en fait de la gamme Color Show. Donc ça ressemble en fait à ça, c'est vraiment très joli. Ici on a tous les vernis à ongles en dessous, c'est ce que je vous disais quand je vous disais qu'il n'y avait pas tous mes vernis à ongles. Voilà, on a toute une jolie gamme ici que je veux pas abîmer, donc du coup je la garde dans sa boîte et je la garde ici. Juste en dessous, la boîte que vous voyez là, ce sont des produits que je veux mettre dans un vide dressing. Donc en gros tous les produits que j'ai en trop, dont je me sers pas, que j'ai en double, etc. Je les mets là-dedans pour un éventuel vide dressing plus tard. Ensuite ici j'ai aussi des choses à vous faire gagner, donc en gros c'est un petit fer à boucler que je garde à côté parce que c'est des choses que je vais vous faire gagner plus tard. Et dans ce petit, j'ai mon petit nounours que je voulais sortir, mais dans ce petit sac en fait Urban Decay, dedans j'ai tous mes pots, ça fait une éternité que je les ai. Mais en gros c'est que des pots de chez Lush que j'ai fini. Et en fait je sais pas si vous savez, mais chez Lush quand vous ramenez 5 pots de n'importe quel produit en fait que vous avez acheté, nettoyé bien évidemment, ils vous offrent le produit de votre choix gratuit. Généralement je crois que c'est un masque ou une crème ou un truc comme ça. Ok, donc on commence par le premier tiroir. Voilà, je sais ce que vous allez dire, il y a beaucoup de choses. En fait c'est un tiroir dans lequel je garde tous les produits que j'ai en plus de chez Benefit. Voilà, c'est le tiroir Benefit. Donc il y a tous les produits que je reçois quand je vais à des événements, que je reçois aussi quand il y a des nouvelles collections qui sortent, etc. Si vous avez vu mes vlogs à Los Angeles il y a pas longtemps, vous savez qu'il y a plein du coup de produits qui sont pour vous. Donc voilà, il y a pas mal de choses que j'ai en plus et beaucoup de choses que je vais vous faire gagner. Donc je vous montre pas tout, mais c'est vrai que là-dedans il y a énormément de produits bénéfiques, il y a même que ça. Donc voilà pour le premier tiroir. Ensuite dans le deuxième tiroir, alors là c'est un peu le fouillis, mais c'est encore une fois pas mal de produits que j'ai en backup en plus, qu'on m'a donné, que je dois tester. Ici c'est plus vraiment le tiroir des produits à tester, donc voilà, des nouveautés, des produits qu'on m'a envoyé, des produits que j'ai acheté aussi et que j'ai envie d'essayer un petit peu plus tard quand j'aurai fini d'autres produits. Donc je vais pas tout vous montrer parce que c'est un peu le bordel, c'est le cas de le dire, mais il y a également beaucoup de choses. Et dans le dernier tiroir on a tout ce qui est un petit peu pour le voyage. Donc ici j'ai genre une brume de chez MAC que j'utilise, donc une fixe plus en plus, j'ai des lingettes démaquillantes, il y a également des pochettes en fait, pas mal de pochettes pour transporter son maquillage. Donc voilà, moi quand je sais pas où les mettre, je les mets ici. Et j'ai également une petite mallette de chez Benefit que je voulais pas jeter, que je trouve trop jolie et que je garde ici pour toujours l'avoir au cas où un jour j'ai envie de faire des photos ou un truc comme ça, juste parce que je la trouve belle et que je veux pas l'acheter. Ensuite ici donc il y a mes deux petites étagères que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos, donc là j'essaye de vous la montrer un petit peu autrement que ce que vous avez l'habitude de voir. Mais en gros ce sont deux étagères que vous pouvez pas retrouver dans le commerce pour la simple et bonne raison que c'est Paul et Amélia qui me les ont faites sur mesure. Donc si jamais un jour vous avez envie de faire la même chose, c'est juste deux planches de bois en fait qu'on a percées ici, ici et là-bas, et dans lesquelles on a passé des cordes en fait, on a fait un nœud en dessous et on les a accrochées avec des crochets. Donc voilà, c'est un DIY assez facile à réaliser à la maison, il faut juste avoir le matériel disponible. Mais moi je voulais vraiment quelque chose qui dénotait d'habitude, j'avais pas envie d'avoir ces meubles que tout le monde a et j'avais vraiment envie d'avoir un décor assez personnel en fait. Donc du coup sur mes étagères la décoration elle change tout le temps en fonction des saisons, en fonction de ce que j'ai envie. J'ai juste envie d'avoir un décor différent en fait à chaque fois que je fais une vidéo un petit peu particulière. Par exemple quand c'est l'hiver il y a plus des boules de neige ou des trucs comme ça, ou quand c'est l'automne il y a vraiment plus de feuilles ou des trucs un peu comme ça. Bref ça change vraiment en fonction des saisons et en ce moment voilà à quoi ça ressemble, mais vous avez l'habitude parce que vous voyez ça dans toutes mes vidéos. Donc ici j'ai quelques-unes de mes figurines pop préférées, donc Rebelle, Alice et bien évidemment Harley Quinn. Ensuite j'ai quelques petits carnets que j'ai acheté un petit peu partout quand je voyage ou des trucs comme ça. Ça c'est juste un petit clipboard avec dessus une quotation que j'aime bien, c'est marqué « Do more of what makes you happy », donc en gros fais plus de choses qui te rendent heureuse. Donc voilà, une petite bobine de fil, des petits trucs de passeport, etc. Enfin bon voilà, ici c'est assez fouillis. Juste à côté on a ce petit objet que je... Alors honnêtement je sais plus, je crois que je l'avais acheté sur le site d'Urban Outfitters, qui est en fait fait pour être un terrarium à la base, donc pour mettre des plantes à l'intérieur, sauf que bon, moi je suis un peu une feignante donc je l'ai pas fait. À l'intérieur j'ai mis des petites bougies, etc. Des petits objets de déco. J'ai un petit carnet en marbre derrière. Et ici en fait j'ai un petit cerf avec quelques-unes de mes bagues qui sont posées ici. Je trouve ça plus facile pour les voir un petit peu au quotidien.
Et j'aime bien cet objet, en fait, je le trouve assez chou. Derrière, on a un cœur que Paul et Amélia m'ont fait également avec des petits fils de cuivre. Et on a mis juste en fait du masking tape ici pour que ça tienne. Et ici, il y a un petit pot tout bête en cuivre, en faux cuivre en fait, enfin en faux rose gold, qui vient chez Maison du Monde, il me semble. Sur l'étagère du bas, on a pareil encore des petits objets de déco qui viennent de chez Maison du Monde, des petites boîtes qui viennent de chez Flux, il me semble. Ça vient de chez Urban Outfitters. Ça vient de chez Urban Outfitters aussi, il me semble. Une petite bougie rose gold que vous avez sûrement reconnue, c'est Yoko qui me l'a offert dans son swap, donc va pas mal de petits trucs comme ça, une petite guirlande là-bas à droite. Et ici on a un cadre que j'ai acheté chez Maison du Monde que j'adore, et ce petit poste de radio pareil que j'adore, que vous voyez depuis très longtemps dans mes vidéos, que j'avais acheté il me semble à la chaise longue. Donc voilà pour mes étagères en ce moment. Et en fait juste au-dessus de mes étagères, comme vous pouvez le voir, j'ai en fait une grande carte du monde en liège sur laquelle en fait il y a des petites épingles où je suis allée dans le monde. Donc voilà, je trouve ça assez cool, j'ai acheté ça chez Flux. Et moi vous savez que j'adore voyager, donc j'aime bien avoir cette petite touche de rappel en fait. Et là c'est ma tête que vous voyez, oui. C'est ce petit rappel en fait des endroits où je vais, parce que voilà c'est une de mes passions dans la vie. Donc je trouvais ça important d'avoir ça là où je filme. Et c'est quelque chose que vous voyez pas parce que c'est vraiment au-dessus du cadrage habituel de mes vidéos. Ici on arrive sur la partie du coup gauche de ma chambre. Ici on a un petit rangement à bijoux en fait, avec les bon, voilà quelques colliers. J'avais acheté ça chez Loisirs et Créations, je me rappelle. Mon petit casque qui est ici fait partie de mon étagère, et on va passer à ce qu'il y a juste ici en dessous. Alors ici donc on a ma deuxième étagère Maison du Monde, qui est exactement la même que celle qu'on a là-bas. Alors sur cette étagère là il y a 2-3 petits trucs, mais sans plus. On a un petit une petite lettre M avec quelques lumières que j'allume de temps en temps, mon push-in, généralement une bougie, et ma petite tasse qui vient de chez Anthropologie que j'aime beaucoup avec un petit M dessus. Et on va passer du coup à ce qu'il y a un peu plus là. Alors ici on a deux boîtes que Yoko m'avait donné dans son swap, donc qui sont vides, qui ne me servent à rien pour l'instant, mais je trouverai bien une utilité très prochainement. On a ici quelques petits rangements chez Muji qui me servent en ce moment parce que je suis en train de refaire tout mon rangement make-up, donc du coup je fais pas mal de tri, etc. Là pareil, on a encore des produits une fois de plus qui sont neufs, que je vais vous faire gagner, dont je ne me sers pas, ou alors des produits que je mettrai en vidéo listing, je sais pas trop, mais c'est vraiment voilà, des petites choses que j'ai en plus et dont je ne me sers pas pour l'instant. Dans le premier tiroir ici, on a rien à voir mais quelques-uns de mes pyjamas, parce que oui, j'ai tellement de pyjamas que je n'ai plus la place de le mettre dans mon dressing là où je suis assise actuellement. Donc il y en a quelques-uns ici, voilà voilà, donc rien de très intéressant, n'est-ce pas? Ensuite juste en dessous on a encore une fois pas mal de produits backup comme d'habitude. Ici en fait c'est vraiment, ces deux étagères c'est le prolongement de mon rangement maquillage et de ma salle de bain. C'est tous les produits qu'on m'envoie, donc pour l'instant je ne me sers pas, ou alors que j'ai déjà en double. Il y a pas mal de produits, je mets Maybelline, des baby lips, c'est pas mal de produits, l'Occitane. Enfin voilà, en fait tous les produits qu'on m'envoie que j'ai déjà, que je vais vous faire gagner quand je ne me sers pas, ou que je donne à mes amis quand elles viennent à la maison. Bah voilà, je mets tout là-dedans parce que c'est des choses que j'ai déjà et que voilà, que je donne au fur et à mesure à qui les voudra bien entre guillemets, ou que je fais gagner sur Instagram, sur Snap ou sur les réseaux, ou un petit peu partout. Donc ici on a la boîte California de chez Benefit que j'adore, voilà la boîte je la trouvais tellement belle que je voulais pas l'acheter. Ici on a la boîte Maria Carey de la collection qu'elle a fait chez MAC que je trouve hyper belle, et quelques petits produits Glam Glow que j'ai en plus et que je suis en train de tester. Mais voilà, ça c'est vraiment juste un tiroir où je mets quelques boîtes que je trouve super belles, parce qu'on est d'accord que je me vois pas jeter ces deux jolies boîtes. Je me dis qu'en fait elles peuvent toujours me servir et je les aime tellement que voilà, je les garde à proximité. Et ensuite ici sur la gauche on a la porte de mon dressing, donc si jamais pareil vous avez envie de voir bientôt un dressing tour, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de me le dire en commentaire, que je puisse vous faire ça. Et voilà, c'est tout pour le reste de ma chambre, puisqu'ici on retourne encore une fois sur mon rangement make-up. Donc voilà, si jamais vous avez envie de voir ça, dites le moi dans les commentaires. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici en bas à droite, et d'aller voir mes deux dernières vidéos si vous ne les avez toujours pas vues, qui sont juste ici. Sur ce, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous, et je vous dis à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.